Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé avec ce soir Gérard Miller, Raphaël Mesrahi, Sophie Garel, Philippe Gueluc, Isabelle Mergot et Annie Lemoine. Je me tourne d'abord vers Isabelle Mergot et Philippe Gueluc, puisqu'on vous a pas revu ici depuis les fêtes. Ça s'est bien passé, les fêtes, Isabelle? Oh oui, tranquillement. Je l'ai réveillonné à 8h30, j'avais fini. J'étais avec ma mère. On a bu une tisane. Oui. À 9h, j'étais couchée. Bien. Voilà. Vous avez eu de jolis cadeaux? Bah, pote, je suis jamais gâtée, moi. Oh, c'est par la nature, déjà. Bah, oui. Et vous, Philippe? Ah, formidable. On a fait ça avec des amis, j'étais au fourneau. 3 jours en cuisine pour préparer. Je m'inquiète, nous n'avons pas encore entendu Gérard Miller. Non, non, mais je sais que mon ami Philippe Gueluc est un dessinateur et un cuisinier émérite. C'est vrai? Oui, j'ai déjà eu l'occasion de dîner chez lui. Et de voir c'était succulent. Raphaël Mesrahi, la forme? Bon, allez. Bah, ouais, ouais, voilà, super forme. Ça se voit, non? Oui. Autant d'habitude je suis moyen, autant là, je peux dire que là, j'ai la patate. Oh, je n'avais pas vu votre joli pull en pelouse. Alors... Alors voilà, avis aux tondeuses, si vous voulez venir me voir. Ça, c'est pour vous faire brouter encore. Allez, il est temps de passer à la photo du jour. Cette photo du jour, on la trouve dans Libération. C'est celle de cette présentatrice de CNN. Elle s'appelle Paula Zahn et la chaîne d'information américaine a diffusé, sans son autorisation à elle, une campagne de publicité où on voit le joli visage de cette journaliste. Et il y a une voix off qui dit « Où trouve-t-on une présentatrice d'un journal du matin à la fois provocante, superfutée et oui, un rien sexy ?» Réponse sur CNN. Et au moment du mot sexy, il paraît qu'on entend même le zip d'une fermeture éclair. Annie Lemoine, vous qui avez présenté le journal sur Canal. Et quel sexy? Oui. Vous auriez accepté qu'on fasse ça pour vous? Non, 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 sûrement pas, sûrement pas. Mais il faut bien dire quand même que les femmes journalistes sont encore choisies pour présenter les journaux télévisés en fonction de leur physique aussi. Poujadas, on ne peut pas dire que c'est pour des critères physiques qu'il a été choisi sur France 2. Non, mais justement, c'est incroyable. C'est la différence entre les hommes et les femmes. Les femmes, elles se ressemblent toutes. Ça pourrait être Claire Chazal, cette dame. Vous, vous pourriez présenter le 20h, Isabelle Mergot. Oui, mais je n'ai pas de notion journalistique, alors il y a un problème. Tu penses que Bruno Mazur était présentateur pendant des années, si c'était un métier vraiment difficile? Et évidemment, cette polémique née outre-Atlantique a fait reculer France 2 et TF1, qui, ces chaînes-là, avaient aussi, il faut le dire, à peu près la même idée. On a vite retiré les affiches publicitaires concernant les présentateurs et présentatrices du 20h français, mais j'ai réussi à récupérer les projets. Regardez ce qui était prévu pour Béatrice Schoenberg. Ah. Franchement. À TF1 aussi, ils avaient prévu le truc, regardez. Ah, c'est pas mal aussi. Bah, c'est bien. Ouais. Ça donne envie de regarder, hein. Enfin, faut être honnête, parce que c'est évidemment une photomontage, c'est la tête de Claire Chazal sur le corps de PPDA. Il faut quand même être correct. Pas du tout, parce que j'ai l'affiche prévue pour Patrick Poivre d'Arvor, regardez. Oh là là, c'est tristoun, hein. À France 2 aussi, on avait préparé le truc pour notre 20h, regardez, David Pyjama. Ah, c'est déjà mieux, c'est déjà mieux. Hein. Il y a un petit peu de soir. Allez, autre photo. C'est la transformation effectuée par Bernard Kouchner que je vous propose de voir avant et après. C'est une vraie photo, là c'est pas un photomontage. C'est quand même dingue la vie de Bernard Kouchner parce qu'il a passé plus d'un an au Kosovo, en pleine guerre, entre les Serbes et les Croates. Il est allé au Rwanda, entre les Hutus et les Tutsis, jamais une égratignure. Maintenant qu'il est chez nous, tranquille en France, paf, deux béquilles, il se casse la gueule. C'est quand même dingue. Alors regardez bien sur cette même photo, on voit la surprise des militaires français, hein, facilement reconnaissables, à leur couvre-chef, puisque nos militaires ont l'habitude, vous le savez, d'arriver après tout le monde, et le plumeau sur la tête, c'est pour enlever la poussière sur la table des négociations. Hein? C'est rigolo leur chapeau, hein? Y a que chez nous qu'on a ça, non? Mais rassurez-moi, ceux qu'on a envoyés en Afghanistan, ils sont pas habillés comme ça. Non, 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 non. Derrière une dune, c'est pas très discret.
Pour revenir à Bernard Kouchner, ses béquilles sont dues à une chute de ski à Avoriaz. Ah. Et ça offre quand même, cette chute de ski, une petite compensation à M. Kouchner, comme nous le prouve Paris Match cette semaine, puisqu'on voit qu'Elisabeth Guigou sait le réconforter. Regardez cette photo étonnante. Oh, c'est gentil. Elle lui fout peut-être une tarte aussi, non? Non, on lui a dit maintenant à Mme Guigou qu'il fallait qu'elle soit gentille avec tous les médecins. Alors hop, elle obéit. Et je tiens à dire à Christine Ockrent que j'ai d'autres photos à sa disposition. Mais elle comprendra la que même je... sans les béquilles. Elle comprendra que je ne peux pas les diffuser à l'antenne. Un autre couple politique qui marche, et même qui baigne, je devrais dire, c'est Ségolène Royal et François Hollande, qu'on découvre encore dans Paris Match, et on comprend maintenant pourquoi la ministre déléguée à l'enfance tient à faciliter l'adoption en France, parce que je pense qu'elle en a marre de voir François Hollande toujours enceinte. C'est incroyable ces photos, hein. Allez, on termine par les soldes avec cette photo étonnante dans François. Regardez bien. String, 2,90€ au lieu de 4€, soit 19 francs au lieu de 29. Alors, deux réflexions. D'abord, je tiens à rappeler qu'il s'agit quand même des soldes d'hiver. Alors bon, un string pour aller à Courchevel, Avoriaz, Val d'Isère ou Chamonix, je comprends pourquoi il aurait resté des invendus dans ce magasin. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils ont bien fait de mettre un grand panneau, parce qu'avec l'affichage obligatoire des quatre prix, hein, en francs et en euros, avant les soldes, après les soldes, faire tenir quatre étiquettes sur un string, ça devait pas être facile quand même. Isabelle Mergaud, de 90€ un string, c'est cher ou pas? Je sais pas, je porte... Moi, j'achète jamais de string parce que mes culottes, je les mets tellement longtemps, je les use, que ça devient des strings à la fin. Donc, j'ai pas besoin, non. En Belgique, ça se passe comment, l'arrivée de l'euro? La même manière. Ouais. On joue, tout le monde a l'impression de jouer à la marchande. On... Oui, les gens rigolent. Je sais pas, ça met en joie tout le monde. Ça doit être marrant, là-bas. Gérard, chez vos commerçants, à vous. Écoutez, la même impression, et je l'avais dit. Moi qui ne crois pas aux prédictions, il faut bien que je croie aux miennes. Je vous avais dit que ce serait la joie avec l'euro, que les gens rigoleraient, qu'ils se parleraient plus. Tout le monde dit non, ça va être très, très dur, ça va être difficile. Je vais faire une autre prédiction, si vous voulez, avant la fin de l'émission. Allez-y. Non, mais avant la fin de l'émission, je la ferai pas tout de suite. Ah, ça vient pas là maintenant? Non, non, non. Moi, je vais faire une prédiction maintenant. Allez-y. Je pense que Gérard va faire une prédiction avant la fin de l'émission. Un demi-siècle de musical, c'est ce que contient ce livre souvenir consacré à l'Olympia, paru aux éditions Castor Astral. Paulette Cocatrix, mes noces d'or avec l'Olympia. Photos, anecdotes, indiscrétions, d'Edith Piaf à Liane Folly, des Beatles à Laurent Voulzy. C'est 50 ans de chansons évoquées à travers l'histoire de cette salle mythique qui depuis évidemment a été refaite en même temps que pas mal de chanteurs qui y passent encore d'ailleurs. Pour tester avec nous ces noces d'or avec l'Olympia, je vous demande d'accueillir Madame Paulette Cocatrix. Je suis ravi de vous recevoir à nouveau. Je vous avais reçu il y a quelques années sur France Inter, ça avait été un plaisir. Et là, vous venez nous parler de ce livre, Mes noces d'or avec l'Olympia, l'album Souvenir. Alors ça, c'est vraiment chouette. Moi, j'ai adoré ce bouquin parce que d'abord, il y a des quelle photos... chance. Ah non, il y a des photos superbes. Chouette, hein, 200 ouais. photos, noir et blanc, d'époque, des photos plus récentes. Mais c'est évidemment les photos les plus anciennes qui sont les plus amusantes les plus et les plus originales. Les plus révélatrices pour nous. Le monde qui est passé dans cette salle, l'Olympia. Tout le monde. C'est incroyable. Et on me demande toujours qui est passé à l'Olympia. J'ai dit, non, on va aller beaucoup plus vite. On va faire qui n'est pas passé à l'Olympia. Il y en a 5 ou 6, quoi. Alors, qui n'est pas passé à l'Olympia? Il y en a un avec lequel on n'a jamais eu de chance et on n'en a plus aucune, c'est Elvis Presley, mais bon. Ah, Presley n'a jamais fait l'Olympia. Il y en a un deuxième, Madame Cocatrix, c'est, si je ne me trompe, Gainsbourg. C'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Pourquoi Gainsbourg n'a jamais fait l'Olympia? Je crois qu'il avait peur. Il avait peur. Vous avez feuilleté le livre, tous, alors votre avis, Sophie. Dans ce livre, ce qui est intéressant, ce sont les anecdotes et même ce qui s'est passé avant que l'Olympia soit l'Olympia que nous avons connu. Alors j'ai appris par exemple que Colette, l'écrivain, a été danseuse nue à l'Olympia, que la Goulue a inauguré l'Olympia, la Goulue de Toulouse-Lautrec. Tout ça, c'est des choses qui sont vraiment, que personne ne connaît, qui sont très intéressantes, que Nadine de Rothschild, avant d'épouser Monsieur de Rothschild, était présentatrice, comme nous, à l'Olympia. C'est vraiment plein d'anecdotes, c'est jamais
jamais mesquin. C'est, elle n'a pas le moindre mot désagréable pour quiconque, à part quelqu'un qui lui a fait beaucoup de mal. Et tout le monde... Qui, c'est vrai, qui bah, pas dit le nom. Non, elle ne dit même pas le nom. Mais justement, alors qui? Une seule personne l'a trahi. Comme quoi, quand on parle de ce métier en disant c'est un panier de crabes, ou alors il faut coucher, ou c'est tous des salauds, ou tous des nuls, c'est pas vrai. Faut pas elle coucher a... Hein? Bah écoute. Annie Lemoine, bienvenue. On apprend plein de choses, et c'est élégant à votre image. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est vous dites chez nous. Et je pense qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui disent ça en parlant de salle de spectacle. Il y a une âme à l'Olympia et c'est vous et ça a été vous pendant 50 ans avec Bruno Coquatrix. 50 ans exactement. Isabelle Mergault alors. Ah ben, jubilatoire, mais moi en fait, je ne connais pas bien l'Olympia parce que je chantonne à mes heures, mais bon... ça ne saurait tarder. Je crois que je n'ai jamais vu un spectacle là-bas. Et non, alors je, non, il faut, remédier à non, ça jamais, très vite. Hein. Enfin, bref, ce n'est pas pour parler de moi, mais de vous. Et donc, mais j'ai adoré... Enfin, je vous connais de nom, mais je ne vous connaissais pas vraiment pas plus que ça, quoi. Non, mais ce qui m'a le plus passionné, c'est votre vie à vous. Comment vous avez été mariée une première fois? Oui. Comment qu'il n'a pas été cocu très vite? Très vite. Ah mais oui, c'est ça. Alors, il y a pas mal d'anecdotes, évidemment. Par exemple, la chanteuse Chadé, qui est venue chez vous en 86, elle n'a pas laissé un bon souvenir, Chadé. Non, c'est la seule. On était enchantés de la voir. Elle avait, d'ailleurs, elle chante d'une façon ravissante. Seulement, elle s'est tirée au bout de deux jours. Oui, mais c'est une histoire d'amour, la pauvre. Mais, elle a suivi son fiancé. Et on est restés, nous, avec nos salles qui étaient pleines. Et pas de Chadé. Et pas de Chadé. Gérard Miller. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre et je voudrais pas noircir le tableau, mais il s'est passé pour l'Olympia quelque chose de très important il y a quelques mois, c'est le rachat de l'Olympia par Jean-Marie Messier, dont on va parler. Alors, il faut savoir que Jean-Marie Messier possède Universal, qui est la plus grosse maison de production de disques au monde. Il possède maintenant l'Olympia. Je sais que vous êtes encore associé à la programmation. Le risque, c'est évidemment que... À l'Olympia ne passent que des artistes produits par Universal. Il y en a de formidables, évidemment, de Bruel à Souchon. Est-ce qu'il n'y a pas, finalement, une fois que vous ne serez plus là pour gérer aussi un petit peu la programmation, est-ce qu'il n'y a pas un risque que progressivement, on ne voit plus que des artistes, si j'ose dire, Jean-Marie Messier? Non. L'Olympia est, comme toujours, ouvert à tous les artistes et à toutes les maisons de production et à toutes les maisons de disques. De toute façon, rassurez-vous, Gérard, mais d'ici quelques années, il aura racheté aussi toutes les autres maisons de disques. Donc, tous les artistes seront à lui. Et l'Olympia va s'appeler les 4 saisons de Vivendi. Oh. Annie Lemoine. Moi, je voudrais que vous racontiez... Enfin, Julio Iglesias doit donc sa carrière internationale à vous et à votre femme de ménage. Ah, pas seulement à Madame Coquatrix. Il faut bien le dire. À sa femme de ménage ou à votre cuisinière. Oui. Qui était espagnole, qui s'appelle Angelina, on ne peut pas plus, et qui toute la journée, j'entendais... Vous les femmes jusqu'au moment où je lui ai demandé, mais ça va bien, il chante très bien, mais qui est-ce? Il m'a dit, madame, avec son accent que je n'imiterai pas, madame, vous n'avez qu'à aller à la mairie du 16e, c'est la réunion de toutes les femmes de ménage du quartier, et... elles connaissent toutes, c'est Julio Iglesias. Alors j'en ai parlé à mon mari et il a fait venir. Et il a fait l'Olympia. Il a fait l'Olympia, pas triomphalement la première fois. Et c'est ensuite Monique Lemarcy, célèbre programmatrice d'RTL, qui a lancé beaucoup de chanteurs et qui a aidé Julio Iglesias. Et je vais vous dire, après son premier concert à l'Olympia, il faisait vachement propre dans la salle parce que comme c'était toutes les femmes de ménage qui étaient venues les aider, elles avaient passé le truc. Alors, en fouillant dans les tiroirs de l'Olympia, vous avez retrouvé un contrat entre Bruno Coquatrix et Edith Piaf, contrat qui dit juste ça. « Ma chère Edith, comme convenu, vous ferez de telle date à telle date pour tel prix. Je vous embrasse affectueusement, Bruno. » Rien de plus. Et vous dites aujourd'hui, quand on reçoit un chanteur, il y a 7 pages de contrat qui prévoient jusqu'à la couleur des serviettes de toilette dans les loges. C'est vrai. C'est vrai. Et la marque de whisky qui doit être dans le frigidaire, enfin... Pas tellement les Français, surtout les étrangers. Voilà. En tout cas, on vous conseille, si vous aimez le musical, comme chantait Charles Trenet, moi, j'aime le musical, eh bien, on vous conseille Ménos d'or avec l'Olympia. C'est écrit avec François Jouffa, Paulette Coquatrix, aux éditions Castor Astral. Merci, madame. Merci, monsieur. Vous le savez,
Nous avons jusqu'au 31 janvier pour souhaiter nos vœux pour la nouvelle année. Alors visite, carte de vœux, coup de fil, texto, email, on a aujourd'hui l'embarras du choix. Il y a une solution plus facile encore quand on passe à la télé, c'est de dire bonne année à toute la famille, bonne année à tous les amis, voilà, c'est fait comme ça. Puis s'ils ne me regardent pas, tant pis pour eux, c'est qu'ils ne m'aiment pas, ça fait une raison de plus pour ne pas leur souhaiter une bonne année. Les politiques aussi, pour eux, c'est une corvée, les vœux, chaque année au mois de janvier. C'est ce qu'a voulu tester pour nous Dan Bolander, à qui on peut souhaiter bonne santé, parce qu'il va sûrement y finir avant la fin de l'année. Une caméra cachée par Gilles Maillard. Bonjour, ici Dan Bolander, au siège de l'UDF. J'ai testé organiser une tombola lors des vœux de Monsieur François Bayrou. Confiance 100%. Bonne année à tous. Maintenant, il me reste à vous. Monsieur Bayrou a organisé une tombola parce que les vœux des hommes politiques, des fois, c'est un peu ennuyeux. Nous avons tous les produits régionaux. Attendez. Attention. Non, nous avons juste tous les produits régionaux que vous avez récoltés lors de votre voyage dans toute la France. Alors, le numéro 23 a gagné un saucisson. Voilà. C'est moi. Félicitations. Merci. Saucisson, tu dégages. Pas rendu l'autre. Vous aviez un numéro à l'entrée? Non, on m'a pas donné de numéro. Bon, attendez, je vous donne le camembert. Monsieur Douste Blasi, bonjour. Ce sont donc des produits récoltés par Monsieur Bayrou tout au long de son voyage. Ah non, ils sont pas du Béarn. Ça, c'est un saucisson de Lyon. Et alors, vous voulez que je donne quelque chose? Non, mais non, c'est Monsieur Bayrou qui vous offre ça. T'as bien fait de venir. Ah, numéro 3, c'est un pont l'évêque. Donnez-le à un pauvre. Il y a des pauvres ici à l'UDF. Vous en connaissez un ici? Je cherche. Si vous en voyez un, vous me dites, je... D'accord, je vous l'envoie. D'accord. C'est la choucroute d'Alsace. Ah, c'est con, je suis un élu savoyard. Mais ça fait rien, on fera avec. Nous avons des pommes de terre savoyardes. Non, mais vous avez tout pris, en plus. Ben oui, ce sont tous les produits que M. Bayrou a récoltés. Et là-bas, non? L'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai un bouquet de lavande? Et il y a du saucisson, du Pont-l'Évêque, de la choucroute d'Alsace. Ouais, ça fait grossir. Ça fait grossir, ça fait très bon. Ouais, mais vous avez remarqué que M. Bayrou a un peu grossi pendant son périple. Hein. Voilà. Enfin, c'est M. Jospin qu'il faut lui donner. Il sent très bon, votre Pont-l'Évêque, là, oui. Tenez, voilà, c'est normand. C'est normand. Ah, bah, oui. Écoutez, oui. C'est pour vous. Oui. Hein. Voilà, ça vous fait plaisir. Si vous trouvez un camembert, la prochaine fois, ce serait très bien aussi. Moi, j'ai une saucisse, elle était un peu sèche, je trouve. Celle de Toulouse, là, c'est pas des produits de super qualité. Bah oui, moi... Mais mon vieux, vous avez voyagé trop longtemps. Monsieur Longuet, vous avez gagné à la tombola? Rien, je n'ai jamais rien gagné. C'est une bonne idée d'avoir organisé une tombola. Tout le monde était ravi. Et j'ai fait gagner plusieurs lots. Eh ben, c'est très bien. Il en reste deux. Et moi, j'ai gagné quoi? Des berlingots? Je vous les laisse. D'accord, merci. Voilà. Merci et bonne année. Ben voilà, un peu de gaieté. Un peu de gaieté dans la traditionnelle cérémonie des vœux, ajoutée grâce à Dan Bolander. Ça vous surprend, Gérard, non? Oui, je trouve que c'était là particulièrement osé. C'est peut-être ce qu'il a tenté de plus oser, prendre le micro quand même d'un homme politique qui vient présenter ses vœux. Il a culotté. Réagi, c'est culotté. Hein. Il a bien réagi, Bayrou. Bravo à François Bayrou. Bravo, voilà. Est-ce que vous avez reçu, vous, des cartes de vœux d'hommes politiques, Gérard? Alors oui, j'en ai reçu quelques-unes. Ah, quelques-unes quand même. Oui. Ah oui. Bah, j'en connais quelques-uns d'hommes politiques. D'accord. Je vais vous dire, de Jean-Pierre Chevènement. Oh là là. Si. Mais pourquoi? Parce que je le connais un peu, parce que je le connais un peu. Parce qu'il m'aime bien. Toi? Oh, ça se trouve. Allez. Alors non, de Lang, Jacques Lang, je connais bien. Alors la plus drôle, c'était de Robert Hue. Ah, c'est quoi? Alors on voit la Joconde. Avec les moustaches? Avec la moustache. Et à l'intérieur, il marque, les communistes n'ont pas fini de vous surprendre. Voilà. Ah, c'est pas mal. Amusant. Il y a quelqu'un aussi qui a fait une très jolie carte de vœux, puisque Paris Match a fait un classement des cartes de vœux des hommes politiques la semaine dernière. Il nous a dit que c'était peut-être la plus originale des cartes de vœux. Donc on a eu envie d'accueillir ce ministre qui a accepté de venir sur notre plateau. Il s'agit du ministre de l'Agriculture. On va pouvoir lui souhaiter, nous aussi, une bonne année. Voici Monsieur Jean Glavany. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Là. Ministre de l'Agriculture et de la Pêche. On oublie toujours d'ajouter la pêche, mais c'est important aussi. Moi, je n'oublie pas, oui. Vous n'oubliez pas. Il y a quelqu'un qui va être déçu de ne pas être là ce soir, qui fait partie de notre équipe, c'est Maureen Dor. Ah, oui. Elle est folle de vous. Ben oui, je... Enfin, elle est folle si tout court aussi. Elle... Vous lui avez envoyé vos voeux, hein? C'est pas très aimable ce que vous dites pour moi, ça. vous lui avez envoyé vos voeux? Ah ben oui, parce qu'elle a dit des choses gentilles un jour, je crois que c'était sur votre antenne, alors depuis... Elle vous trouve le plus sexy, le plus séduisant des ministres du gouvernement.
Alors, votre carte de vœux, la voici. Charmant. Expliquez-la, votre carte de vœux. Excusez-moi, mais ça aurait pu être celle-ci aussi. Meilleur bœuf en 2002 qu'en 2001. C'était pas mal vu, ça. C'est pas mal, mais tu es vache, quand même. Qu'est-ce que c'est, cette carte de vœux? Qu'est-ce que ça représente? Alors, cette carte de vœux, elle tient compte du fait que, comme vous l'avez dit très justement vous-même, je suis ministre de l'Agriculture et de la Pêche, et que dans une carte de vœux, je ne peux pas ne penser qu'aux agriculteurs ou qu'aux pêcheurs. Et donc, on a cherché, chaque année, on cherche une idée d'associer les deux. Et donc, on a fait une carte de vœux qui se déplie comme un poster. Ah, la couverture, c'est très joli. D'un côté la mer et de l'autre côté l'agriculture. Et puis c'est un poster qui se déplie. Et d'un côté, il y a la mer. Alors, c'est original. Et de l'autre côté, l'agriculture. On y réfléchit longtemps, la carte de vœux qu'on envoie quand on est ministre. Comme c'est, ça. C'est 6 mois de travail. Est-ce que vous envoyez votre carte de vœux à tous les agriculteurs de France? Non, parce que ça serait trop. Non, on en envoie déjà quelques milliers. 680 000 exploitants agricoles, ça ferait beaucoup pour. Mais je leur adresse mes vœux. Là, ce soir. Notamment ce soir. Parfait. Je vous ai fait rapidement un petit croquis. Pour une prochaine pour le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, c'est l'association de deux animaux, le loup et l'agneau. Oh, c'est l'agneau, joli. Je ne comprends pas l'agneau. Le loup. Ah, le loup. Et l'agneau. Ah, joli. C'est ça, mesdames et messieurs. Tout ça, mesdames et messieurs, est fait en direct sous vos yeux. Est-ce que vous envoyez vos vœux entre ministres, monsieur Glavany? Oui, bien sûr. Oui. Par exemple, vous avez reçu celle de monsieur Laurent Fabius, c'est original. Une carte qui représente, c'est ça, voilà. Oui, bonne et euro année. Oui. Hein, ah, il y a l'humour, là. Il est dans son rôle, Laurent, là. Oui, tout à fait. J'ai ça, c'est pas mal. Monsieur Guesso a envoyé ses vœux aussi. Regardez la carte de monsieur Guesso. Oh, c'est charmant. Les couleurs sont très jolies. Aussi. Madame Voynet, c'est original, la carte de vœux de Madame Voynet. Ah, je la trouve formidable. À vous tous et à la planète, une belle année, Dominique Voynet. Mais elle a écrit ce texte pour tout le monde ou pour nous particulièrement? Ah non, ça c'est pour tout le monde. Alors, si je peux faire une réflexion, il y a quelque chose que je n'aime pas, moi, dans les cartes de vœux, sur lequel je fais une discrimination très forte. C'est les cartes de vœux. C'est les choses imprimées. C'est-à-dire, je déteste qu'on m'envoie un... Par exemple, si j'envoie cette carte comme ça, moi, et marqué Jean Glavany, vous souhaite une très bonne heureuse année, si je reçois ça, je ne réponds pas. Parce que je trouve que... Bah, vous n'avez pas pour répondre à vous-même. C'est trop facile. c'est personnel, vous n'aimez pas. Vous voulez que soit écrit vous-même, ouais. Jean Glavany. Il faut au moins qu'il y ait... Non, mais il faut au moins qu'il y ait un petit mot manuscrit disant amicalement ou cordialement et la signature. Moi, je vous écris un truc pour vous. J'espère que j'aurai une réponse. Bonne année, mon Jean. Merci. C'est personnel. Alors, vous auriez apprécié... Puisque vous voulez un petit mot écrit à la main, vous auriez apprécié la carte de vœux que nous a envoyée Madame Christine Boutin. Voilà la carte de vœux de Madame Boutin. Alors ça c'est le côté face. Elle écrit bien. Hein. Ça évidemment c'est le côté imprimé. Ça c'est dur hein, comme carte de vœux, je dois dire. Oui. La vraie justice protège les faibles. Mais au dos de cette carte de vœux, voilà, cher Laurent Ruquier, bonne année 2002 à vous et à votre équipe, Gérard. Ah moi aussi. Voilà. Ça c'est classe. Bravo. C'est bien, elle est sympa. Et vous envoyez ces vœux Madame Boutin? Je ne crois pas. Ah. Est-ce que les convenances veulent que nous répondions à Madame Boutin? Ah oui, bien on sûr. On doit répondre bonne année vous-même et on signe son équipe. Oui, bonne année, joyeuse PAX. Est-ce que vous envoyez votre bouquin aussi? Non, parce que je ne suis pas mégalo au point d'envoyer mon bouquin. Là, qu'ils font d'envoyer leur bouquin hop, avec les vœux dessus. Il est très bien. Alors, moi, je l'ai lu, ce bouquin. Politique je m'intéresse au bouquin des hommes politiques. Il est très bien. C'est vrai que souvent, c'est chiant. Il y en a eu, je trouve, deux très bien. Il y avait celui de Fabius, que j'ai trouvé formidable après l'affaire du sang, qui était extraordinaire, qu'on peut toujours lire aujourd'hui. Et le vôtre, que je trouve particulièrement réussi. Très bien. Alors, les questions simples maintenant, Raphaël Mézeri. Mais c'était ça que je voulais poser. Allez-y. Alors. Oh, vous êtes toujours aussi beau, pourquoi? C'est une question compliquée, ça, au contraire. Je trouve... Répondez. Si vous faites craquer ma sœur, alors il y a bien... Mon beau-frère, vous êtes le frère de Maureen Dor, vous? Non. Elle n'a pas voulu. Je peux en poser une autre, au cas où. Les poireaux, on n'en parle pas suffisamment, on les plante quand? Et les arbres fruitiers, parce que bon, je voudrais en mettre un sur mon balcon. Non mais, c'est vrai, il faut les acheter. Est-ce qu'on peut les acheter grands? Laissez-moi terminer. On peut les acheter grands déjà avec des poires dessus et les planter, mais ou pas. Vous savez ce que c'est le poireau?
Le poireau. Dans la, dans, c'est le mérite agricole. C'est le mérite agricole. Agricole, oh, bah oui. Simplement, je voulais vous dire si, si vraiment... J'aimerais bien l'avoir. Ben voilà, si vous continuez à dire du bien de l'agriculture française, j'arrête vous aurez pas. Le poireau. Bien sûr. Très bien, bon, on va se voir tout à l'heure en coulisses. J'ai Raphaël, pas fini. Raphaël, laissez-moi terminer. Attends, c'est intéressant. Les poireaux, je sais pas quand on les plante, mais toi, c'est maintenant. Alors... Dernière question. Dernière question qui n'est pas vraiment une question, c'est plutôt un hymne pour vous que j'offre au ministère de l'Agriculture. 3, 4. Les carottes, ça a des poils. Les radis, ça a des poils. Les betteraves, des lots comme ça. Les tomates, ça n'en a pas. Voilà l'hymne de Georges Lavagny. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, agriculture par ici, pêche par là, merci d'être venu nous voir, d'avoir accepté cette invitation pour parler des vœux, c'était pas évident, c'est gentil d'avoir accepté. Votre gentil. Merci de votre accueil. Merci beaucoup. Allez, un moment qu'on attend. C'est le 6 février prochain que sortira Ocean's Eleven, un film de Steven Soderbergh, dont le titre français sera L'inconnu de Las Vegas. À l'affiche, ce ne sont justement pas des inconnus, mais Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt, Julia Roberts et George Clooney. Tous en promo, une journée à Londres, il y a quelques semaines, pour répondre aux journalistes français. Nous, ce soir, nous vous proposons Raphaël Mesrahi face à George Clooney. Regardez. If you die right now, I'm not really a doctor, and I can't help. Okay, when you want. Hmm? Okay. Really? Ah, oh, that's okay. Oh. Me, Mr. Garcia, hello. You are an actor, famous, talented. Why did you accept it to play in Ocean 11? For me, why did I want to play in Ocean's 11? Yes. Strictly for the money. That's what I did it for that. Mr. Clooney. Mm-hmm. Garcia, before. You look very charming, and is that movie, how long time do you need to prepare yourself? The morning before shooting? I've actually been working on this film for about 15 years, preparing for it, drinking, gambling, those kind of things, so that I was, when the role finally came, I was prepared. Do you think he is too much cut and sexy? Do I think what now is? Too much cut and sexy. Too much something? I don't know what sexy. What did you say before sexy? You're sexy. Oh, I'm sexy? Yeah. Oh, yes. Yeah. Yes. Well, I find that in the mornings. Because you are a sex symbol. No, yes, no, but not. I'm not. No, you are, but I'm sexier than you. Matt, like in the morning, I wake up and I think, man, I'm sexy. And then I basically, that's why I haven't married again, is because I really enjoy my own company. So then, you know, who needs... I understand. You know, who needs someone else? Okay. Could you give me any advice to find a beautiful woman? To find a woman? No? I don't. Listen, do you have a lot of money by any chance? You got a lot of cash? Are you wealthy? No. Last question. Yeah. Sorry. It's okay. Who is the last person you gave your cellular phone number, and how much to pay approximately by month? Wait, say it again. Forfeit four hours, six hours by month. My cellular phone. Yes. What about it? Who is? Are you forfeit for by month? I don't understand your question. Do I have a cellular phone? Yes. Yes. Did I give it? Did I forfeit it to? Yes. To who? With a company. 6 hours, 10 hours, by month. Oh, by month? Right. I don't understand. You know what? You and your I. Phone? We don't. More.
Yeah. On va arrêter là aussi. They don't let me have a cell phone. Sorry, anymore. Sorry. Qui est fou? Ce type est fou. Il a George Clooney en face de lui. Il lui demande s'il a un forfait pour son portable. Non mais bon, mais... il était malin, hein. Il est brillant. Oui. Non, mais ils sont pas des stars internationales. Pour rien, c'est sont vraiment... Et les quatre, hein, que j'ai interviewés, ils prennent du temps, ils ont 4 minutes. Ils savent qu'ils ont 4 minutes, ils peuvent avoir affaire à n'importe qui. Ils sont là et c'est... Ils jouent le jeu. Ils jouent le jeu vraiment, quoi. Alors, je signale quand même qu'on verra évidemment bientôt dans cette émission les interviews de Matt Damon et d'Andy Garcia. Andy Garcia, grand moment. Oui. Puisqu'on a déjà vu Brad Pitt et George Clooney, les deux autres, c'est dans les jours à venir. Il faut regarder l'émission tous les soirs. Voilà. C'est comme ça. Philippe. Alors, est-ce que vous apercevez cette petite lueur de tristesse dans le regard de George Clooney? Non, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous savez pourquoi? Non, parce qu'il a pas l'air, il a l'air un petit peu amer. Il a peut-être pris connaissance d'un sondage qui est paru dans un magazine féminin en Belgique. Et il y a eu d'éditer le top 20 des hommes de l'année. Alors en 1, ça n'a étonné personne, il y a Brad Pitt. En 2, Richard Gere. En 3, Bruce Willis. En 4, Jean-Jacques Goldman. En 5, Johnny Depp. Ensuite, Mel Gibson. Jean-Luc Delarue, et puis Tom Cruise. Et George Clooney n'est qu'en 10e position. Il en manque un, là. Attendez, vous êtes entre... Je vous jure que c'est pas un montage. Vous êtes entre Tom Cruise et George Clooney. Voilà, mais surtout devant George Clooney. Ils sont marrants, les Belges. Écoutez, on a interrogé les femmes dans la rue, et elles ont répondu. Il n'y a pas Gérard Miller dans la liste. Hein. Alors, je me permets simplement de dire l'explication qui est donnée sur Gay-Luc. Premier belge du palmarès, on l'aime pour son humour second degré, patati patata, et ça se termine comme ça. Sa percée en France résonne comme une victoire. Enfin un belge qui ne nous ridiculise pas dans l'Hexagone. Je ne suis pas sûr que c'est le cas aujourd'hui. C'est bien. Ouais. En tout cas, tous ces garçons, Clooney, Brad Pitt, Andy Garcia, Matt Damon et Julia Roberts quand même, sont réunis dans un film, je l'ai dit, qui sortira le 6 février prochain. En voici la bande-annonce. La cible, c'est quoi? Depuis quand t'as pas vu Las Vegas, tu veux qu'on braque un casino? 3 casinos. Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Fantastique. C'était un cas impossible. La sécurité des casinos est totalement imbattable. Vous êtes vraiment malade. Exactement. Feu vert. Feu vert. Feu vert. Qu'est-ce que tu attends? Toutes mes félicitations. Vous êtes un homme mort. George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt et Julia Roberts. Le film s'appellera L'inconnu de Las Vegas quand il sortira en France. La seule que vous n'ayez pas eue, c'est Julia Roberts. C'est Julia Roberts, comme absolument. D'habitude. Ouais, bah oui, c'est comme d'hab. Hein. Bon, en tout cas, on vous applaudit encore. Merci et bravo, Raphaël Mesrahi. Bravo. Un peu de musique. Son dernier album, Si j'étais elle, est sorti en novembre dernier. Il sera en concert dès la semaine prochaine au Bataclan. Non, pardon, au Zénith. Non, pardon, au Casino de Paris. Bon, en fait, c'est à l'Européen. Allez, pour pas me faire mentir, il fera toutes ces salles successivement du 15 janvier au 9 février avant de partir en tournée à travers la France. Johnny fait le Paris-Dakar, lui fait le Paris-Paris. Je vous demande d'accueillir notre préférence à nous, Julien Clerc. C'est vrai, hein? Je ne suis pas trompé. Non, c'est vrai, Paris-Paris, c'est très bien. Toutes ces salles, en même temps, non, mais pas le même soir, évidemment, mais successivement. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'à 21h, vous êtes au Bataclan, à 23h au Zénith, à minuit au Casino. Non, c'est des jours différents, quand même. Oui, c'est des jours différents. Oui. C'est une envie que vous avez depuis longtemps. Des jours différents, des spectacles différents. Vous pouvez vous asseoir un peu mieux, parce que... Il y a deux spectacles pour 4 salles, quoi, voilà. Le spectacle pour les petites salles, c'est-à-dire le Bataclan et l'Européen, le spectacle pour les plus grandes... Casino de Paris et Zénith. Il y aura évidemment des chansons du nouvel album. Il y en a 6 dans chaque spectacle. Qui 6 sont pas dans tout chaque à fait spectacle. Les mêmes. On va tout de suite, avant de continuer à parler ensemble, regarder un extrait du clip, extrait de cet album Si j'étais elle. C'est quelques mots en ton nom. En ton nom, je parle aux singes. En ton nom, envers ces traces.
Très joli clip. C'est un duo, cette chanson. Avec la chanteuse Asia. Duo qu'on retrouve sur l'album de Julien Clerc, Si j'étais elle. Donc, 6 chansons de l'album dans le spectacle, mais aussi, évidemment, les standards. Mais qui changent en fonction des salles. Qui changent en fonction des salles. Ouais. On a répété 40 chansons, en gros, au lieu d'en répéter 20. Quoi. Voilà. Il y a des incontournables, quand même. Il y a des incontournables. Qui sont dans tous les spectacles. Il y a une dizaine de chansons qui sont communes aux deux spectacles. C'est lesquelles, mais qui ne sont exemple, pas toujours. Je sais pas, Ma préférence, ou Femme, je vous aime, par exemple. Ce n'est rien. On les connaît Lily, toutes. Vous allez danser, ou Ce n'est rien. Est-ce que vous avez un public très féminin, Julien Clerc? Ah oui. Ok, j'ai la réponse. Ouais. Je vois qu'il y a des dames qui aimeraient tirer les choses au clair. Soyons honnêtes, on va poser la question, est-ce que vous avez aussi un public très masculin? Ouais. Mais non, mais j'ai eu de la chance quand même, parce que les hommes, depuis 30 ans que ça dure, tout ça, viennent quand même. Il y en a qui sont venus un petit peu pour faire plaisir à leur gonzesse, mais enfin, en général, il n'y a non, pas non, de... C'est pas vrai. Non, non, gonzesse. Oh, bah, c'est non. C'est bah, gentil oui, de me dire parce ça. Parce qu'elles peuvent, elles peuvent pas toutes l'avoir, donc à un moment donné, elle prend celui qui traîne, et bon, elle l'amène. Bah, si. Annie, c'est partie de ses fans. Totalement fan. Ouais. Totalement. L'histoire de si tu restes, je mets le couvert. Moi, je m'en suis jamais remise. Là, ah oui, remettez le couvert, s'il vous plaît, pour Annie. Dans quelle salle vous iriez le voir plus tôt, vous Le Bataclan, peut-être. Le Bataclan. Oui. Là où on peut le toucher un peu, quand même. Ah, bah, c'est plutôt l'Européen, la plus petite salle, non Dites ça, c'est l'Européen. Je ne suis jamais allé d'ailleurs de ma vie. Je ne sais même pas comment elle est, donc je la découvrirai avec le public. Et pourquoi ne faites-vous pas le point virgule? Ah, le point virgule, mais ça s'appelait la veuve Pichard dans le Est-ce temps. Est-ce que c'est pas le plus virgule. Petit et la plus petite salle C'est tout de, petit, de... Pourquoi petit. Vous n'êtes pas à la maison? On n'est pas nombreux. <l'endroit. rire> Sophie, alors. Alors bon, moi je trouve que Julien Clerc, il a rempli tous mes fantasmes. Je peux rentrer chez moi, je suis contente déjà. Quand j'avais 20 ans, enfin un peu plus quand même, 25, j'ai chanté Ivanovitch en hurlant à l'amour, en me disant « Il va venir, je hurle tellement, il va venir !» Il a frappé à ma porte, il me dit « Je suis là, arrête de faire du scandale, j'arrive !» Bon, puis il n'est pas venu. Et puis plus tard, après, je me suis dit « C'est le gendre idéal, je vais caser ma petite !»« Ce n'est rien, paparara !» Elle est pas terrible, mais bon, elle cuisine mal, bon, elle fait pas le ménage dans les coins et tout ça, mais enfin, elle est gentille, bon. Et puis maintenant, je me dis que ça pourrait être mon petit. J'aimerais bien avoir un petit comme ça. Il a l'air gentil. C'est vrai, je veux dire, même quand il belle, il est délicieux. Mais il belle plus. Ça c'est, alors, ça, c'est vrai qu'il y a eu, le début de carrière où j'ai lu ça dans la doc. Il paraît que vous alliez au sport d'hiver, les gens faisaient bé dans les. Oui, mais c'est parce qu'il avait des chevaux en mouton. Alors ouais. Il bêlait beaucoup. Mais vous bêlez plus aujourd'hui, ça, c'est une légende. Oh, encore un peu de temps en temps. C'est le vibrato aujourd'hui. C'est le vibrato. Oui. Ouais, les dimensions incontestables de votre succès, c'est votre physique. Ne le prenez pas mal. Mais puis bon. Son bull aussi, monsieur. J'en ai d'autres. Attends, un autre. Alors, j'ai interviewé votre styliste. Vous porterez donc sur scène un pantalon Jean-Paul Gaultier. Un costume Jean-Paul Gaultier. Oui. Taille basse, je la cite, il est hyper bien foutu. Le pantalon, c'est vrai. Jean-Paul Gaultier aussi. Isabelle Mergault. Je suis fan de chez fan, quand je vous écoute, c'est comme quand je vais chez l'ostéopathe. Non, si c'est vrai, on nous remue partout, et puis après, toutes les tensions partent, et on pleure, mais on pleure vraiment, mais on est bien, quoi. Et quand je vous écoute, il y en a plein, je pleure, mais je suis bien, je suis heureuse. Alors on me voit, je suis complètement défaite, on pense que j'ai perdu toute ma famille. Une au hasard, enfin, vraiment une de vos préférées. Oh, celle où il dit, moi seule, c'est quand tu as froid. C'est trop bien. Et puis locaux. Il y en a une que vous savez chanter plus particulièrement? Enfin, savoir. Est-ce que je sais que chanter? Tu connais? Non, parce pas que savoir. Je suis sûr. Si vous pouviez lui offrir juste 30 secondes, un petit duo Julien Clerc, Isabelle Mergault. Ah, hein, alors, je crois que là, c'est le rêve de sa vie. Isabelle. Mais c'est dans. Attendez, parce qu'il y a deux. Il y a deux chansons. Il y a cette histoire de froid. Je veux que t'aies jamais mal, que t'aies jamais froid. Voilà, et tout m'est égal, tout à part toi, je t'aime. C'est celle-là. Regarde les autres aussi quand tu chantes. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Je crois qu'on a une autre. Ma préférence à moi. Voilà. Ah oui, c'est ça, voilà, c'est ma préférence, c'est ça. Je le sais. Oui, je le sais, oui. Sa façon d'être à moi. Attendez, mais laissez, je vais le faire. Je le sais. Sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Vous
ne me croyez pas vide et lassée. Car elle est ma préférence à moi. Voilà, c'est ça. Je suis sûr que Gérard Miller aime, lui, les chansons un peu plus politiques, comme par exemple L'assassin assassiné, Gérard Miller. Ah non, moi, j'aime absolument toutes les chansons. Dans le dernier album, j'ai une petite tendresse, alors pour On serait seul au monde. Ah, moi aussi. J'ai déjà écrit une des phrases de cet album, je la cite, « On dirait qu'on serait des amoureux à vie ». Oui. Je trouve simplement une phrase comme ça, ça mérite vraiment qu'on ait vécu. Et vous avez accompagné, et vous accompagnez encore, car j'ai écouté ce disque en compagnie amoureuse, vous accompagnez. Non, Gérard, si, vous accompagnez. Crac, crac. Non, mais je trouve extraordinaire un chanteur qui a pu comme vous ça avez accompagner. Avec Bruno Mazur, alors. C'est ça. Que vous ayez accompagné autant de gens qui s'aiment au long des 30 années de vos chansons. Bien sûr. Mais ce que dit Gérard est très très intéressant. Dit qui n'a pas aimé une fois sur une de vos chansons. Et moi, c'est sur le CD entier, Gérard. Vantard. Julien Clerc, je suis désolé, il faut passer par là. Nous sommes obligés à un moment donné de nous tourner vers Raphaël Mézrahi. Oui, mais très bien. Ah, comment ça va? Moi, je fais partie des gens dont j'ai l'intégrale, avec Brassens, Brel, Charles Aznavour. Par rapport à mes collègues, moi, j'ai acheté mon premier disque de Julien Clerc quand j'ai eu ma première rupture. On a beaucoup plus de facilité à rentrer dans les chansons d'amour quand on est seul. Alors moi, ça m'est vachement arrivé, donc c'est pour ça que j'ai l'intégrale. Vous avez la compile. J'ai la compile, j'ai tout. J'ai tout Julien Clerc. En révisant votre biographie, Julien Clerc, je savais évidemment que votre vrai nom, c'était Leclerc, mais j'avais oublié que votre vrai prénom n'était pas Julien, que c'est Paul Alain. Est-ce qu'il y a encore des gens qui vous appellent Paul Alain? Je vois deux copains qui étaient avec moi en 11e, tous les mois. On déjeune tous les deux, ils ont pris des chemins complètement différents. L'un est philosophe, l'autre est historien et écrivain. Vous êtes le seul raté de l'équipe. Pardon ? Vous êtes le seul raté de l'équipe. Le seul raté, absolument, parce qu'ils étaient très brillants à l'école. On se voit tout le temps et un des deux m'appelle encore régulièrement. Mais c'est insupportable, ça. Moi aussi, des amis de classe continuent à m'appeler Lucienne. Ça va, j'ai fait une carrière comme la vôtre. C'est son vrai prénom. Alors que je m'appelle Sophie, mais c'est vrai, il y en a qui s'entêtent. Et Paul Alain, vous n'auriez pas fait Hollywood avec Paul Alain. Non, et encore, je leur ai caché que le troisième était Auguste. Hein, Ce que je regrette, c'est que les paroles ne sont pas de Julien Clerc. Alors, quand on fantasme sur Julien Clerc, effectivement, son physique, son charme, ses trois rides qu'il a sur les yeux, son sourire, avec les dents tout entièrement parfaites, ce corps qui a été alimenté sans graisse. Enfin, il a tout ce qu'il faut. Il monte à cheval, il doit monter... Enfin bon, il est bien. C'est très bien, mais c'est pas lui qui a écrit ses chansons et c'est dommage parce qu'on se demande s'il les pense, s'il les ressent vraiment. Évidemment, sinon il choisirait pas ses paroliers comme ça. Alors justement, c'est vrai que vous avez eu quand même pas mal de... Alors il y a eu Étienne Rodagé, ça on sait, il y a eu Dabadi. Dabadi c'est laquelle? C'est Femme, je vous aime, c'est Femme, ça? Femme, je vous aime, entre ma autres, préférence. Le plus gros succès, c'est peut-être Femme, je vous aime. Là, Carla Bruni, vous recherchez à chaque fois, à chaque nouvel album, des nouveaux auteurs, comment ça se passe? Disons que oui, je veux bien un petit peu ouvrir la porte à chaque fois à quelqu'un de nouveau, ça veut pas à dire... À quelle heure vous l'ouvrez? J'ai quelques textes de Julien entre 11. Ouais. Le lapin sur la colline, il est rigolo. C'est quoi ça? Non mais c'est la chanson de 7 erreurs, c'est pour les mômes, c'est le lapin sur la colline, il est rigolo. Le lapin sur la colline, il est rigolo. Il sautille de branche en branche, il aime tout sauf le dimanche. Le lapin sur la colline, il est rigolo. C'est pas mal? C'est pas gagné, hein? Alors, il fallait trouver l'erreur. Parce que, L'erreur, c'est peut-être la chanson. Oui. Non, mais c'est parce que le lapin, ça sautille pas de branche en branche. C'était ça. Ouais. Julien Clerc déménage, Bataclan, Casino de Paris, Zénith, l'Européen. Mais vous restez pas qu'à Paris, hein, évidemment. Après, il y a une tournée à travers la France. C'est impressionnant, hein, le nombre de dates que c'est vous faites. C'est surtout rapproché. Oui. Écoutez, ça part de février, mars, avril, mai. Vous arrêtez fin mai, le 25 mai, à Épinal, chez Monsieur Seguin. Ne bêlez pas trop. Je sais. Vous restez avec nous? Oui. Vous connaissez le jeu de la fin d'émission? Ça s'appelle le... Le quoi? Encore raté. Qui a dit quoi? C'est parti. Première déclaration, premier qui a dit quoi? Je pense que c'était une combine entre copains. On m'a dit qu'un proche de Bertrand Delanoë était sur les lieux.
Ah, Campion. Ce gars, Marcel Campion. C'est Marcel Campion, le responsable des forains. Effectivement, il parle de Dan Bolander, qui est allé, vous savez, monter sur la grande roue pour essayer de la démonter. Il est persuadé qu'on était dans le coup avec la mairie de Paris. Alors, je dément évidemment les propos de Marcel Campion. Évidemment, on avait mis des faux autocollants mairie de Paris sur les voitures, dont ils ont crevé les pneus, bien sûr. C'est vrai ? Ah oui, bien sûr. Vous démentez, mais Marcel Campion dément, lui, parfois. Un autre qui a dit quoi ? Pas facile, hein, celui-là. Je laisserai l'établi net et très bien outillé. C'est un politique, c'est un ministre. 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 Un homme ? Non. Une femme ? Non, femme. Non, c'est un communiste. Une communiste. Marie-Georges Buffet ! Marie-Georges Buffet, bravo, Philippe Gomis. Bravo. C'est un... C'est une parole de communiste. Mais oui, c'est une non, mais franchement. Buffet établi, enfin... Franchement. D'accord. Philippe Gueluc, une fois que Julien Clerc a dit communiste, ministre et femme, dire Marie-Georges Buffet, c'est pas vraiment une victoire. Alors, qui, je m'excuse beaucoup, mais le footballeur qui met le but, on lui a passé la balle depuis parfois une heure. Et il marque. Hein. Il a raison. Dernier qui a dit quoi ? À mon âge, on entend un peu moins bien, mais finalement, on entend moins de conneries. Jeanne Moreau. Non, c'est pas Jeanne Moreau, Sophie. Ah, bah, attends, c'est pas une gamine, quand même. C'est vrai. Alors, une très vieille, plus vieille que Jeanne Moreau. C'est pas une, c'est un monsieur qui a dit ça. Il est un peu sourd. Non, mais... Pardon ? Il est donc un peu sourd. Pardon ? Il est donc... Ah, Claude Sarraute ? Non, pas Claude Sarraute. C'est un homme, je vous ai dit. Ah, Claude bon. Sarraute est un homme. C'est un fou. On avance, on c'est avance. Pas, c'est pas bon. Bouvard. C'est Philippe Bouvard. Bravo, Julien Clerc. Ah ouais, alors non. Bravo, Julien Clerc. Vous avez été excellent dans ce qui a dit quoi. Tu vois, ce que je vous regarde tous les jours, je m'entraîne. Oui, mais les trucs changent. Les qui a dit quoi, ils sont bons. Ça sert à rien. On va vous souhaiter en tout cas une excellente tournée à travers la France à partir du 27 février jusqu'au 25 mai. Et puis un bon Bataclan, un bon Zénith, un bon Casino de Paris, un bon Européen à partir de la semaine prochaine. Merci. Merci Julien. À demain 19h. Bye bye.